Alors, vous voyez cette vidéo. Alors là, c'est vraiment le monsieur Gruyère. Hein. Alors, c'est pratique pour aller chez le dentiste. Alors, complètement cinglé. Alors là, vous le voyez fumer hein, avec ses copines complètement barjots. Ben, ils sont tous barjots. C'est une famille de barjots. Hein. Ben, je comprends pas. Hein. Alors, monsieur Gruyère, ben, vous voyez, bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Je suis en train de filmer parce que je ne suis pas très spécialiste de la. Ben oui, ben lui, c'est. Je ne suis pas spécialiste de l'Internet et l'informatique, etc. Alors, pour ça que je suis en train de filmer mes petits chéris. Hein. Et après, je vais vous lire les commentaires parce que ce mec a besoin de voir un bon psychiatre. Bon, ben, peut-être que vous avez des amis, un ami ou qui pourrait le soigner. Alors, il passe sa langue dans la joue, qui a des trous partout. Hein. Ce pauvre taré. Hein. Et bon, le trou de balle, il doit être pareil. Hein. Et ben oui, il doit être troué partout. Vraiment, on vit dans un monde mais complètement taré. Hein. Et ben, vous êtes avec Hakim Leroy qui vous fait que sa petite chronique. Regardez ce malade qui est en train de fumer. Mais mon pauvre chéri, mais c'est l'hôpital psychiatrique qu'il te faut. Ben oui, ben voilà. Alors là, maintenant, je vais pouvoir lire les commentaires. Vous êtes avec Hakim le roi. Eh oui, vous êtes avec moi. Je suis content d'être avec vous. Hein, et ça me fait plaisir. Hein. Mais alors, des malades, mais c'est vraiment affreux, carrément barjot, ce mec. Il est trop laid. Hein. Alors, pratique pour son dentiste. Alors, comme ça, il peut se faire. Ben oui. Alors, les gens l'insultent de connard. Hein. Oui. Mais alors, le cerveau a dû tomber, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Bon, mais s'il est tombé, bon, ben, il a l'air fin, voilà de merde, qu'il va rentrer à. Ben là. Ah, ben oui, ben oui, mais oui, alors. Ben, peut-être que la mère aussi, elle est barjot, le père est barjot, tout le monde est barjot, lui, il est barjot, c'est un bouffon, c'est le roi de la connerie. Ben alors lui, peut-être qu'il aura sa photo dans Paris Match. Hein. Mais Hakim, il n'a pas encore eu sa photo dans Paris Match. Vous pensez que je l'aurai un jour? Ben oui, j'espère, parce que. Hein, mais non, mais c'est mes problèmes de santé mentale, ce crétin. Mais oui, mais il a besoin de se faire ça. C'est vraiment ignoble, vraiment dégueulasse. Ça me donne envie de faire des cauchemars. Mais elle est timbrée, cette jeune. Hein. Complètement tarée cette jeunesse d'aujourd'hui. Hein. Et quand je vois cette jeunesse, je sais pas, à côté de Paris, qu'ils ouvrent les bouches d'incendie hein, et tout, et puis après qu'ils vont tabasser le mec avec une clé à molette, vous imaginez, l'autre il est complètement, mais il va devenir fou aussi. Hein. Bon, mais j'avoue que c'est pas classe, hein, avoir un trou ici, un trou ici, un trou ici. Tu es pas salon comme ça. Oh mon Dieu, mais que c'est horrible, c'est vraiment stupide. Oh, mais c'est pas possible, débile, qu'à ça, mais c'est vraiment débile, il se croit beau, bah oui, il se croit beau, bah c'est pas Brad Pitt, ni George Clooney. Alors tu vois, si tu veux faire une fellation, alors tu veux faire un petit bisou, tu passes la langue ici, je sais pas, mais oui, c'est débile, mental, dégueulasse, c'est pas là de long physiquement, hein. Heureusement qu'Alain Delon ne nous a pas fait ça quand il était jeune, avec quand dans les années 50, vous imaginez. Hein. Oh là là, Alain Delon, oh là 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 là. Bon, bah, heureusement que vous n'avez pas de fils comme ça. Hein. Vous êtes privilégié quand même. Hein. Oui. Bah, c'est tout simplement horrible. Hein. Moi, je connais des fans, j'ai beaucoup de fans hein, qui sont beaux mecs et de beaux garçons et tout, comme Julien Perrin. Alors, vous le voyez avec un trou ici, puis un trou, et puis qui irait à sa caisse d'épargne aller travailler. Puis après, il ira voir son Michou. Hein, il ira voir son Michou. Et puis après, il ira voir des copains et ses copains dans son village. Hein, hein, et puis avec un trou ici, puis un trou ici. Bon, bah vraiment, mais oui, mais je t'imagine que tes parents. Hein, oh, mais mon Dieu, mais c'est horrible, c'est dégueulasse. Ça lui déforme la gueule. Il y a des caries aux dents. Que c'est un déchet de la société, un parasite. Mais quelle horreur, débile mentale. Mais oui. Mais le monde est complètement cinglé. Mais oui, complètement fou. Hein. Mais oui, mais on vit dans un monde de cinglés. Alors, je vais vous montrer une petite surprise. Bon, d'abord, c'est pour moi, hein, parce que malheureusement, vous pourrez pas. Alors, ça s'appelle une gazinière. Hein. Alors, ça, c'est la gazinière de Hakim Leroy. Et là-bas, vous voyez mon petit gâteau. Vous avez vu mon petit gâteau? Hein. J'ai préparé un bon petit gâteau. Hein. Bon, c'est trop chaud, je ne vais pas toucher la grille. Hein. Je ne veux pas exagérer quand même. Hein. Hein. Mais voilà, parce que je ne vais pas faire le buzz. Hein. Oui, non, je ne vais pas faire le buzz, mais c'est trop chaud. Hein. Oh, je vous aime. À bientôt, les fans de Hakim Leroy. Le monde est fou.